Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, les amis, dans Lance Foot Flash Mercato. On est donc ensemble. Nous sommes le lundi 27 juin. Euh, il, est, euh, bah, il est 20h19, euh, quelques minutes de retard. Vous êtes en train de vous connecter, bien évidemment, euh, euh, simultanément sur Facebook, sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux euh, à nous suivre chaque semaine. Et ça, ça fait euh, bien plaisir. Alors, attention, Oula, là, il y, y a du dos aujourd'hui, je vous le dis direct. Il y a du dos. Avec euh, pas mal d'infos mercato qu'on va pouvoir euh, débattre. Et puis euh, on a une dream team comme d'habitude. Dream team, vous le savez, zéro langue de bois, tout ce qui devra être dit sera dit. Avec la, la dream team, toutes les émissions euh, rêveraient d'avoir euh, une dream team de consultants comme ça. Mais il n'y a que chez nous, il n'y a que sur Lancefoot. Foot. Euh, déjà, tiens, Sylvain Charlet de France Bleu Nord. Salut mon Sylvain. Salut. Salut à tous. Nous avons Norman Noisette. Salut Norman. Bonsoir monsieur. Nous avons Monsieur Franck Quedru. Salut Franck. Bonsoir à tous. Et nous avons nous avons Rémi Buzine qui est apparemment euh, m'envoie un petit message en me disant, écoutez euh, les gars, j'ai une surprise. <laughs> voilà. J'ai euh, un invité. Ouais. J'ai un guest <laughs> avec moi. Regardez, attention, il va apparaître à l'écran. Ah, attention. Euh, l'invité ou Rémi, l bah, ou Rémi Les deux, les deux, les deux. Ah, l'invité ouais. mystère. Euh, je peux vous dire un truc, moi ce, qui, moi, ce que je kiffe chez lui, c'est sa coupe de cheveux. <laughs> J'aimerais avoir la coupe de cheveux de l'invité mystère. Je vous promets que c'est bon <laughs> Attention. Trois. 2 1 Ah oh oui! Ah là, là, là. Attends, alors attends. Monsieur attends. Dorasso! Ouais, Regardez-moi regardez regardez cette coupe de cheveux. Regardez-moi cette <laughs> Il a une peu cool, le mec, mais je suis, fan, je suis fan de ce mec. Comment, et et, et c'est la première fois que je vais parler à Vikash Dorasso. Comment euh, il va, Vikash? Prostère de euh, toi. Hein. Clair, ouais, je traînais par là. <laughs> attends, tu fais là il, il m'a attrapé, il m'a dit viens parler. Euh, c'est un podcast. <laughs> En fait, on tout vous dire, il y a une soirée à Bruxelles, il y a ma meuf qui est là, je suis venu la voir. <laughs> et en fait, je lui ai bah, écoute, moi, dans 5 minutes, je vais être en live sur Lance-Foot. Tu lui dis, est-ce que tu veux venir faire un petit tour Bah, écoute, viens. <laughs> voilà. C'est simple, il, ça, qu il avait... ces gens. Hey. Quand il m'a dit qu'il y avait Franck Crudru qui était là, et et quand oui. je... moi, à chaque fois que je pense à Franck, je pense à ce but que tu mets en tirant. Contre Bastia. <laughs> eh oui. Quand, quand tu tires et le vent fait que le ballon, il repart dans ton but. Merci à Bastia. C'est ça. Mais Et dit, Francky aussi, le après vent. on s'est vu le là... vent a tout Et on s'est vu à Foulam aussi, où je suis allé ouais. signer, je me suis fait niquer la jambe, j'ai jamais signé. <laughs> ouais. C'est vrai. <laughs> bon, hé, hey, Vikash, on est très heureux de t'avoir quelques minutes. On, on, on va pas te déranger plus un longtemps parce, de poker, parce que. Vite fait, euh... Ah, ouais, non, ah mais lui... oui, c'est vrai aussi, Franck. C'est vrai. On veut. Après, on veut quand je te tu... mettais des petits ponts, tu me voyais que de dos, mais c'est pas grave. <laughs> ouais, non. Après, c'était les fort à l'époque. J'adore Eh <laughs> hey, Vikash Avant de te laisser tranquillement Rejoindre ta meuf euh, Là pour cette soirée Et boire un petit coup Vikash euh, Parle-nous Parce que t'as hmm, Récemment là Dans, dans l'équipe de Greg euh, Sur l'équipe TV T'as parlé de Secofofana Donc forcément Ça nous concerne ouais, ouais. Euh, tu as dit, euh, mot pour mot, on sait ce que Fofana peut apporter au PSG, il faut le mettre dans les bonnes conditions. Alors déjà, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu as des news Est-ce que tu crois que euh, le, le, le est transfert, est agent le ah, transfert est agent, Fofana, en fait. le transfert... Est pas tous en même temps les copains. Est-ce que tu penses que le transfert Fofana va se faire au, au PSG ou pas avec H? J'ai pas de news et puis j'ai aucune info. Bon, on va boire et un coup. Je, Allez, on va boire un coup. Mais malheureusement, je, alors, je, je le souhaite pas pour les Lensois parce que vous perdez un, un sacré joueur. Mais pour le Paris Saint-Germain, c'est une bonne, une bonne idée, ouais, évidemment. Ouais, c'est un super joueur. Ouais. Mais alors... utiliser, faut il faut qu'il soit mis dans de bonnes conditions. Est-ce que le PSG peut non. le mettre dans de bonnes conditions aujourd'hui euh, bah, Le système à Lens, c'est trois défenseurs, ce qui permet aux deux mecs qui jouent devant, puisqu'ils jouent à deux plutôt, devant la défense, ça permet à à co de, de bouger beaucoup et même parfois de, de, de rester, on l'a vu, rester très haut à gauche, jouer un peu la carotte et marquer à la 84e minute. Euh, si tu joues dans un système à 4, tu es embêté, tu, tu es obligé de faire les allers-retours. Donc le système, il doit changer. Dans un système à 3, c'est possible. Si Galtier joueur, ça peut être Galtier s'il si joue à 4. Euh, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Euh, il, est, il est fort aussi euh, sur, sur tout le long d'un match et sur toute une saison. Voilà, lui laisser sa place, ça veut dire qu'il faut accepter qu'un joueur il arrive avec ses qualités, quoi, à pas le transformer. À Lens, ouais. il était très, très libre, je pense, aussi. C'est ouais. ce que Paris a, a planté avec Doom, par exemple. Tu fais venir un super joueur de Liverpool et tu le fais jouer contre nature. Et ouais. Fofana, il va falloir lui laisser de la liberté. Si tu, si tu prends Fofana à Paris, il faut que tu acceptes que le gars il joue parfois deuxième attaquant. Ouais, puis Fofana, c'est un mec qui aime courir tu peux pas mmh. l'empêcher donc ça veut dire que celui qui joue avec le milieu de terrain ça, si c'est vératif il faut qu'il accepte de ne pas bouger quoi de rester devant la défense brider, mais... ouais, ça. Et lui il faut bon. il, il aime courir oh, j'adore votre podcast merci et et et, et... V -cache. V -cache, oui. on s'appelle tu me donnes des petits conseils capillaires s'il te plaît mon poulet parce que, ouais. euh, que Francaise aussi Francaise on jouait contre l'autre quand on était jeunes hein. ah ouais euh, Rouen de l'œuvre. c'était la as quel âge toi Vikash toi maintenant Vikash 25 40, 48 la 48. D'accord. OK. Bon, ouais, à, très à très bientôt, Vikash. vous bien, je suis content de vous avoir vu. Ciao. Bonne soirée, <laughs> <Nicolas. rire> sur les plots de, de, de militantisme. <rire> <rire> <laughs> voilà, hey, c'est ça l'ance-foot. Ça j'adore. Merci Rémi pour ce petit instant euh, magique avec, avec Vicage Dorasso dans, dans l'ance-foot. Donc on a parlé de Fofana. J'aimerais qu'on revienne quand même euh, vite là sur, sur le dossier le plus brûlant. Euh, à l'heure où on parle à 20h25, il y a des petites news qui sont tombées. Euh, Sylvain euh, en a une à nous donner. On va parler euh, messieurs de euh, Doucouré, check Doucouré. Là ça devient brûlant de chez Brûlant. Son transfert en Angleterre. Nabil Djelid, journaliste connu à France Football, l'équipe 21 également, a tweeté il y a quelques instants Les dirigeants de Palace se sont récemment déplacés à Lens. Très satisfaits de l'accueil des nordistes. Ils ont proposé 20 millions plus 5 de bonus. La tendance est à l'optimiste pour l'arrivée de Tchèque Doucouré en PL. Patrick Vira a fortement pesé sur ce choix. Et puis, on a eu une news encore plus fraîche c'est celle de Sylvain. Sylvain, euh, toi aussi, c'est chaud bouillant pour Cheikh Doucouré selon oui. tes infos. Oui, ouais, ouais la, la, la tendance vraiment se confirme. On est vraiment tout proche d'un accord. Alors, euh, j'ai pas de confirmation sur les chiffres précis, mais on me dit que voilà, Nabil euh, est, est dans le vrai. Donc ça veut dire que je pense que Lens. Lance... J'ai plus les chiffres euh, voulus par Lance pour Doucouré, mais je pense que c'était entre 25 et 30. Là, Palace propose 20 plus 5. Donc, c'est une question d'heure, une question de jours pour qu'on trouve un, un accord sur l'indemnité et sur les modalités de paiement. Euh, soit voilà euh, qu'une indemnité ou du bonus. Donc, je pense que ça va se jouer à 1, 2, 3 millions d'euros dans, dans les heures, dans les jours qui viennent. Et je pense que voilà, d'ici la fin de semaine, Cheikh Doucouré sera officiellement un, un joueur de voilà. Crystal Palace. Ouais, ouais, ouais. ah, c'est logique, c'est logique. Apparemment, le Racing attendrait euh, 20 millions, au moins 20 millions d'euros pour laisser filer euh, l'international. Moi, j'avais ouais. lu même jusqu'à 30, tu vois. Donc, je pense que là, euh, voilà. Non, moi, franchement, le, le prix, je pense que c'est 20. Le prix, c'est 20. Après, il y a un bonus de 5 millions et après, peut-être un pourcentage s'il y a une revente derrière. Mais après, ça, c'est leur problème. Mais chèque faut pas qu'ils partent en dessous de 20, ça c'est sûr. 20, c'est le minimum. Et juste, ce qu'on vous avait déjà dit, euh, je ne sais pas si c'était la semaine dernière ou la semaine précédente, c'est que le joueur, en fait, lui, il est déjà d'accord contractuellement avec Crystal Palace. Il a un accord complet avec le club. Et maintenant, en gros, il attend la fumée de la gaillette pour qu'on lui dise c'est bon, tu fais tes valises, tu peux partir à Palace. Ouais. Je ne sais pas s'il a déjà passé la visite médicale avec Palace, mais en tout cas, il ira au moins là-bas pour signer le contrat. Voilà, il ne reste plus que l'accord, à quelques millions d'euros près, façon de parler, entre Palace et Lens. Alors, justement, la question euh, qu'on va se poser, qu poser euh, c'est qui pour remplacer Tchèque Dukouré Et on va parler de, forcément d'une des recrues officielles de ces euh, derniers jours. On, on, le, on le sait, il hein, y a eu trois recrues officielles euh, pour le moment euh, du côté du Racing. Jimmy Cabot pour 4 ans, avec son transfert du, du SCO qui aurait coûté un petit peu plus d'un million d'euros. Euh, Adam Buxa le Polonais, qui a signé un contrat de 5 ans. Et Salis Abdoul Samed pour cinq ans, euh, forcément tout le monde se dit, Salis euh, Samed pourrait remplacer poste pour poste, Tchèque uh, Doucouré. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs On va donner la parole, tiens, uh, uh, à Norman, concernant le, le poste de, de Ahmed. La, 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 la bonne nouvelle là-dedans, c'est quand même que le club a, a anticipé tout ça, on le voit bien. Mm -hmm. euh, c'est des premiers choix, les joueurs qui ont signé et qui ont déjà été officialisés, puisque... Euh, ça veut dire que c'est du travail en amont. Donc, ce n'est pas des seconds choix. Ce n'est pas un, un panic buy à la fin du mercato pour, euh, pour faire le nombre. Donc, Exactement. ça, c'est plutôt rassurant. Sur le poste, il y, y a deux joueurs potentiellement euh, sur ce poste-là. Il y a Patrick Berg, qui est, qui est quand même un milieu à vocation un peu défensive, mais qui est capable de monter. Et euh, Salis Abdoul Samed, c'est quelqu'un qui est positionné comme milieu défensif euh, euh, la saison précédente, mais c'est quelqu'un qui est plutôt. Euh, dans les commentaires qu'on peut voir et les analyses, c'est un box-to-box, c'est quelqu'un qui est capable de remonter, percuter les lignes. Il a un profil mi-Doucouré, mi-Fofana, ou alors Fofana avec un repli défensif peut-être plus, plus important et, et plus, euh, plus travailleur sur, ce, sur le repli défensif. Donc euh, voilà, on a quand même deux, deux bonnes pistes hein, avec Berg qui, euh, qui devrait pouvoir euh, s'exprimer totalement euh, avec cette nouvelle saison. Et puis, euh, et puis euh, Samet qui, qui est la bonne surprise parce que c'est jeune, c'est un beau potentiel. Euh, il vient de l'académie Jean-Marc Guilloux, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, Exactement. Midian, ouais, ouais, ouais. comme, comme du Corée. Euh, voilà, et, et ce qui est rassurant, c'est qu'il a signé tout de suite. Ça veut dire que le club est dessus depuis un petit moment. Pas, voilà, je pense que ça peut le faire pour remplacer. Franck, qu'est-ce que tu en penses de, de cette euh, nouvelle recrue, de cette jeune recrue non, je suis, euh, suis d'accord avec Norman dans ce qu'il a dit. C'est vrai que ce n'est pas une recrue qu'on a faite par défaut parce qu'il nous manquait un joueur et parce qu'on ne s'attendait pas à ce que euh, Check parte. Non, on, on savait très bien, on a ciblé déjà dans le recrutement. On est, ils ont été très intelligents parce qu'ils ont ciblé dans le recrutement, bien sûr, des postes qu'on bah, savait dont on allait séparer. Seco, Klaus, tous ces joueurs qui ont fait une grosse saison, en fait, déjà, qui ont confirmé la saison. Cette saison. Donc voilà, ils ont déjà ils ont fait un gros travail en amont, comme disait Norman. Et voilà, euh, t'es pas surpris, euh, t'es pas pris de cours, euh, tu fais pas un choix par défaut, tu as fait vraiment le recrutement que tu voulais. Et donc ça, c'est une bonne chose. Et maintenant, voilà, on n'est pas pressé, justement, et c'est la bonne chose, c'était pas pressé pour euh, vendre tes joueurs ou brader tes joueurs. Donc Tiens, là. On a, on a un petit okay, message okay. Euh, et ensuite on continue le, le débat là sur. Euh... Sur Samed, euh, c'est Fred qui fait, je kiffe votre émission, Hebdo, je suis en transe toute la semaine à hein. attendre <laughs> ce moment-là. Ça fait <laughs> tellement de bien pour décompresser du bout ah, des problèmes du quotidien. Merci et la bise les gars, Fred de Cisoin. Eh ben, voilà. bah, tant... Alors ouais. moi je vais vous dire un truc, hein. tant qu'on aura des messages comme ça, on continuera, quoi qu'il arrive. Et j'ai vu aussi un message de Nico euh, là, à la section Care Silence. Hein. On les salue. Bonjour à tous. On les salue, on les embrasse fort. Euh, on va revenir sur, euh, sur euh, Salis. Euh, oui. Florent Guisolfi a dit... Euh, Rémi, euh, j'aimerais t'entendre là-dessus. Florent dit euh, Salis abdoul Samed était notre priorité. Et Salis a un bon volume de course, pas maladroit, balle au pied. Il a un gros potentiel et il va pouvoir le développer au contact de notre staff. Euh, Salis était notre priorité. Quand j'entends ça, je ne peux pas penser une seule seconde que euh, dans leur tête, ils ne savaient pas déjà que Tchèque Ducouré allait partir. Je, pense que... Ouais, milieu, moi, je pense que c'est un Moi, je pense que Tchèque, c'était. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, je pense que Tchèque, c'était le joueur le plus. C'est le joueur le plus bankable du groupe. C'est le joueur qui veut partir le plus cher. C'est celui qui a été le plus demandé. Moi, c'est ce que je pense. Donc, je, pense... je crois qu'ils ont du Bankable, oh C'est Seco Je pense pas. Seco, tu me fais le double. Non Eh oui, il non. met non, des non, buts Franck. en plus. On va prendre des paris. <laughs> Vas-y, moi, je te parie, moi. Non, mais on. Seco, il je... au-dessus de 30. Sûr. Mais, mais on alors... prend. Non, mais sur... J'aimerais entendre Rémi là sur, euh, sur Salis bien vrai, sur dit, et sur ce que dit Gisolfi. Ah je crois que c'est Non mais déjà c'est la première euh, télévision. seulement le mec. Ton casque, Rémi, ton casque. Ouais. <laughs> Parce que tu vas te prendre un carton rouge. <laughs> non mais je l'ai enlevé tout à l'heure Ah c'est bien comme ça là bah, Non, en fait... non fais ton réglage, fais ton réglage. Fais ton réglage. Non, t'es pas bien. Va dans va dans les options. Ah, il est en panique non, non. Hey. Il est en panique, le gars. Il avait bien fait les choses. Il a vu Cash Doraso, donc il enlève son casque. Et là, je lui demande De remettre le casque. Il est en panique. Oh <laughs> bah, je suis en panique totale. là, voilà, T'es bien, mon poulet. Vas-y. Euh, euh, donc, bah, déjà, ça répond à la première question par rapport à Tchèque Doucouré, Enfin, je veux dire, s'il arrive, on... c'est qu'une question de jour pour, pour le départ de Tchèque Doucouré, C'est juste de savoir à combien il partira maintenant. Ils ont anticipé, et on peut dire qu'ils ont anticipé sûrement depuis un moment, les discussions qui, qui ont lieu avec les joueurs, c'est même parfois avant même que les joueurs arrivent. On va savoir combien de temps ils vont rester. -à -dire, il y a des plans de carrière qui sont parfois établis au départ. Ça fait pas que de chèque du courrier à Lens. On peut imaginer qu'au moment où il avait prolongé, je crois que c'était il y a un an et demi, deux ans, bah, qu'il y a eu des promesses qui ont été faites par le club. Tu vas nous accompagner encore un peu plus pendant un ou deux ans. On te fait grandir. Et puis derrière, on t'offre ce qu'on appelle un bon de sortie. Ou peut-être que l'année dernière, il y avait déjà des contacts. Et puis l'année d'après, voilà. Donc c'est tout sauf une surprise en soi. Puis en plus, c'est un joueur qui est sollicité, qui a une valeur marchande qui est importante. Il y a deux ans de contrat. Donc ça permet aussi au club d'être en plus grande position de force que s'il n'en restait qu'une, comme on le voit avec Jonathan klaus donc, euh, donc voilà, après sur le, sur le profil du joueur, il faut être honnête, je pense qu'on n'a pas été nombreux à regarder la saison de Clermont, mais euh, de ce qu'on regarde d'un point de vue statistique, c'est intéressant sur le volume de jeu, sur les commentaires aussi qu'en font les, les supporters clermontois, de dire, euh, voilà, c'était vraiment un autre poumon au milieu de terrain, un joueur qui était partout, qui a beaucoup progressé, un joueur qui, on rappelle, hein, avait fait un essai à Lens il y a trois ans, je crois, 3 ou 4 ans, il n'avait pas été conservé. Mais, mine de rien, ça ne veut rien dire. C'est que derrière, il a vraiment explosé au haut niveau, il a montré son potentiel. Et ça faisait partie, je crois, des joueurs qui, en Ligue 2, n'avaient pas trop, trop montré grand-chose. Et finalement, en qui ont vraiment, euh, vraiment explosé. Donc, il est vraiment sur une phase, de, sur une phase montante, euh, très bon ré récupérateur. puis je crois même une très bonne qualité de passe. Hein. Il a même des, des meilleurs stats que, que dans, dans dans au niveau des, des passes réussies, je crois. Mais alors, ah. après, après, il va. Moi, là, on me dit euh, bon, ok, on a perdu Doucouré, on peut perdre Fofana. Mais ça pose euh, une vraie question sur comment tu gères ton entrejeu pour débuter la saison. On est quand même sur un secteur clé d'une équipe. Et Doucouré et Fofana étaient les deux intouchables dans l'équilibre du jeu de l'équipe. Là, pour l'instant, Fofana, il n'est pas parti. Hein. Pour l'instant, si tu perds Fofana avec Doucouré, il va te rester pour jouer Berg. Poreba et Abdul Samed. Berg commence à avoir des repères. Abdul Samed débarque et Poreba, c'est un joueur en construction. Il est plus dans le schéma Christopher Wu. On va prendre le temps de le faire monter. Donc je, là, comme ça, je me dis, il ne faudrait peut-être pas non plus aussi perdre Fofana. Parce que s'il faut débuter la, la saison avec Berg et Abdul Samed, je me dis que ce sont quand même deux joueurs qu'on va lancer un peu au casse alors qu'ils n'ont aucun repère et aucune connaissance du club. Euh, donc, je pense qu'il y aura encore du recrutement si Fofana ah bah part. Oui. J'ose espérer évident, que hein, si Doucouré... Peut mais peut-être qu'en en, en laissant partir Doucouré, c'est aussi une manière de dire à Fofana il va falloir que tu restes. Parce que là, avec plus de 25 millions d'euros, tu as déjà amorti les, les, les quatre transferts que tu as effectués, puisque les, les quatre venus, c'est entre 12 et, et 17 millions d'euros. Donc, quitte du milieu de terrain euh, si tu perds tout le monde. Il ne faudrait pas non plus... Euh... Alors, justement, je vais vous poser la question. Est-ce que vous y croyez Petit tour de table. C'est parti non, c'est pas ça. Ça, c'est les jingles, <laughs> s'il vous plaît. Euh, Faites-moi péter. <laughs> faites péter le petit tour de table. On y va. Tour de table. Est-ce que vous pensez vraiment que le club peut laisser partir nos deux milieux, à ah. savoir Fofana et Doucouré, Sylvain Charlet Oui ou non Ah là, là j'hésite. Euh... Allez, je dis. Euh... Je dis non. Franck Kedru. Je dis oui. Norman. Oui. Euh, Rémi. Non. Ah oh, les journalistes. Ah là 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 là. Ah vas-y, développe Franck. Alors, non, pourquoi bah, selon que toi as pourrait laisser recruté partir les deux Tu as recruté ce qu'il fallait. T avais, t as recruté déjà Berg pour préparer la saison d'après. Euh, au cas où Doucouré ou Seko partaient déjà. À la trêve. Ils avaient déjà anticipé. Et là, ils il remettent un mec, Salis Samed, pour justement... Combler le deuxième départ. Ah, mais c'est jeune, Franck, c'est très mais jeune. C'est jeune, ça ne fait rien. C'est les mêmes postes. Tu regardes, hein, c'est équivalent. Patrice, ah, il a pas, pas que le jouer. Parce qu'il joue. Il joue vraiment derrière, c'est Et puis après, il a un bonne passe, il peut, il peut aller de l'avant, comme a dit Norman. Et Salis, c'est les box-to-box. C'est un peu le séco. Mais à vous moi, verrez, ouais. tu, vous allez ah. voir qu'ils vont les façonner comme ça et que ça va super bien marcher. Moi, pour moi, s'il si ne part pas, c'est bonus pour nous et s'il part je pense qu'on n'est pas en danger pour, pour moi si tu perds Fofana il faut recruter VIP VIP c'est pour... qui ça bah je sais pas j'en sais rien <laughs> non mais faut... un nom, tu parles d'un nom un nom, quoi, il faut ouais. recruter un gros joueur quelqu'un de euh, confirmé bah, et... ouais voilà il faut, il faut recruter du lourd parce que moi sincèrement tu joues pas de coupe te... d'Europe hein. ouais mais ça peut fonctionner mais mais peut-être que Berg, euh, avec à côté de lui Abdoul samed euh, pour débuter la, la, la saison, ça ne fonctionnera pas. Et si tu débutes mal la saison, sachant que derrière il y a la Coupe du Monde, tu peux te retrouver en grosse galère avec les quatre descentes en fin de saison. Moi, je, Pour moi, je... c'est vraiment un sujet complexe. Moi, ah. moi je pense que le, le, les deux, je, je suis d'accord avec Franck, et j'ajouterais que les, les deux étaient très déséquilibrés, mais parce que l'un était très très fort à son poste, Doukourek, qui pour moi est peut-être le meilleur au milieu de terrain, et Fofana, qui était très présent devant pour faire la différence. Les, les deux profils qui vont les remplacer, Berg et euh, Abdul Samed, vont être plus complémentaires et beaucoup plus mesurés. Alors ce sera peut-être moins impressionnant dans dans l'explosivité devant et, et euh, c'est peut-être pas lui qui ira marquer le but à la 92 e mais je pense que ça sera tout aussi costaud si ce n'est plus… Plus complémentaire cohérent. défensivement tu veux dire en fait. Voilà, le repli bien. défensif et même dans, dans, dans la, le, 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 la remontée de balle puisque euh, Samed est capable de le faire et puis on oublie qu'il y a encore une autre personne au milieu de terrain, hein, il y a un Pereira Costa, il y a encore un Kakouza aujourd'hui. Donc euh, les pas sur joue... les postes défensifs, en fait, c'est plus sur les postes défensifs et sur les postes défensifs, Fofana. Il était alors, on avait fait le débat la semaine dernière, mais Fofana il était extrêmement peu euh, présent sur le repli défensif. Mmh. C'est Sotoka mmh. qui très souvent venait faire le complément. Donc, euh, je pense qu'au contraire, ce sera plus solide parce que plus complémentaire et peut-être un peu plus euh, organisé. Aujourd'hui, tu avais l'équipe qui était construite autour de Fofana, ce qui est cohérent au vu de la qualité du joueur, hein, mais euh, tu avais un déséquilibre défensif qui était comblé par Sotoka très souvent et du courait hors norme. Donc voilà, pour moi, on peut les remplacer euh, sans trop de difficultés. Ça va pas être simple. Mais, euh, et je suis rassuré, sur, encore une fois, sur le fait que ce sont des choix numéro un de Guizolfi. Donc euh, on peut dire que ça a été étudié. Ça a été euh, quand même regardé dans le détail. Jusqu'à faut... présent, ils ne se sont pas trompés dans le recrutement. quoi. Ah, non, tout non. à fait. faut qu'on avance euh, dans les dossiers. J'ai envie de vous poser une question euh, pour les trois recrues. Alors, on, on va pas parler de, euh, de Salis, hein, Abdoul Samed, puisqu'on vient de le faire. Mais pour les deux autres, tiens, Bouksa et, euh, et donc Jimmy Cabo. Jimmy. Quelle place, selon vous, là, dans le, le 11 de, de Franck Heys avec ses deux recrues Rémi, bah euh, Rémi Buzine. Bah, pour Buxa, c'est intéressant parce que c'est un profil qui n'était pas à disposition de Franck Heys sur les deux dernières saisons. Euh, donc ça, c'est nouveau. Voir la complémentarité de l'attaquant qui sera à côté de lui. C'est aussi ça. C'est dans quel, dans quel schéma justement. Non, mais tu as beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. Tu parles du milieu de terrain. Berg, c'est pareil. Euh, je veux dire, c'est pas du tout le même profil que Sekofofana. Donc, ce sera un jeu qui sera différent. Comment tu joues avec, euh, avec ce joueur aussi en attaque et euh, Jimmy Cabo. C'est est-ce que Lens veut en faire un titulaire ou un joueur qui rentre dans la rotation C'est encore une question aussi qui, qui se pose aussi. Pour l'instant, les choses ça sont pas de, de Ça va voilà, dépendre. De de dépendre. De c'est ouais, ce que mm -hmm. j'allais dire. Ça va dépendre de Klose. Je pense que si Klose s'en va. Euh, C'est, ça va être notre titulaire mmh. à droite dans le couloir parce que voilà, il sait le faire et il l'a pas mal fait, euh, voilà. Et, et il prendrait et... un autre et... gars. Et s'il perd de classe il prendrait un autre gars pour le pour le couloir Je pour pense. pouvoir doubler. Mmh. Même ça, si Frankowski peut, à la base, Frankowski, il est là pour jouer à droite. Hein. Alors justement, eh ben, puisqu'on est en train de parler de Klaus, euh, et Klaus, pour interrogation, je vous pose la question, où est-ce qu'on en est euh, après l'Atlético Madrid euh, Chelsea serait donc sur le coup, ça c'est les infos euh, dont tout le monde sait. Euh, les Blues seraient prêts euh, apparemment euh, à accélérer sur le dossier. Thomas Tourelle aimerait s'attacher les services euh, de l'international français euh, en cas de départ de cueta C'est conditionné ça, avec le, euh, avec moi, le départ j'ai entendu récemment là, euh, aspili s'en va. Ouais, mmh, normalement oui. il, normal, il part ouais. au Barça. Euh, euh, donc, résu pas. donc, résultat des courses, si tout ça s'avère vrai, euh, Klaus pourrait s'envoler euh, pour Chelsea. Et honnêtement, un contrat à Chelsea, ça se refuse pas, surtout quand euh, ah bah non. Euh, ah mais surtout qu il est en fin de contrat. Faut... Euh, Jonathan faut... Clos en bah, 2023. Ouais. Fin de contrat 2023. Ça, il reste un an. Ouais. Somme de Et 10 donc, millions d'euros. De toute façon, rien que pour l'expérience du joueur, c'est énorme. Déjà, tu vois. Et euh, pour Lens, euh, sachant qu'il reste un an de contrat, prendre, prendre, prendre cette somme-là, c'est énorme. Et puis de, de toute façon on l'a déjà évoqué la, la semaine dernière je crois le, le, la stratégie de ne pas prolonger ça veut clairement dire aux dirigeants Lançois euh, voilà on fait tous le maximum cet été pour que je parte euh, dans l'intérêt du joueur dans l'intérêt du club euh, et puis voilà en effet je, je pense que Kloss si tu, si tu le gardes donc déjà il faut le prolonger mais si tu le gardes maintenant en arrivant à le prolonger je pense pas que tu réussiras à le vendre autant cet été donc là il bon. faut y aller mais si non, tu peux bon. récupérer entre 10 et allez. 10-12 millions d'euros, c'est une super pioche, hein, sachant que tu recrutes des joueurs euh, à moins de 10 millions d'euros à chaque fois. Euh, de toute façon, ils ont déjà le remplaçant et le remplaçant du remplaçant, si par hein. Tiens, euh, j'en reviens deux secondes sur le duo Fofana-Doukouré, euh, j'avais oublié. Euh, on a lancé un sondage là, sur l'Ansois.com. Euh, on vous a demandé… Si, selon vous, le RC Lens peut conserver, pourra conserver Fofana et Doucouré, et bien, apparemment, les supporters ont peu d'espoir On regarde de leur réponse. Non, le RC Lens ne pourra retenir aucun des deux, 65% euh, des votants. Je m'attends à voir Tchèque, Doucouré partir, mais pas Seco, Fofana, 18%. Et je m'attends à voir Seco, Fofana partir, mais pas Tchèque, Doucouré, euh, seulement 9%. Donc, apparemment, ils sont plus de, de l'avis de... Qui est-ce qui disait euh, « je vais aller de partir de chez vous, là » Ouais, Franck et qui et, et Norman. Norman. Ouais, et Norman bah, ouais. Apparemment, les, les supporters penseraient comme vous. Euh... Après, ça ne veut pas dire qu'on a raison. mais J'espère. <laughs> <C 'est... rire> non, mais alors, mais ça serait logique. Bon, c'est la logique, on... en fait. Euh... Jimmy Cabot, donc, on l'a dit, il, il... Bah, ça dépend du départ de Klaus. Euh... J'aimerais qu'on qu parle un petit peu. Est-ce que vous avez vu la, la conf, la conf mais de reprise, Alors, ouais. si, si Klaus reste, euh, Jimmy Cabot, c'est quand même un remplaçant à la rigueur, plus, plus, hein. Mais là, dans la rotation, on perdrait pas en qualité. C'est ça que je veux dire. C'est vrai que tout à l'heure, du, durant la conférence de presse euh, d'Isolfi, il a évoqué 5 pistons. Ouais, et c'est vrai qu'aujourd'hui, si, si Jonathan claus part, t'en n'en as plus que 4. Donc, ça ouais. laisse entendre euh, un, un recrutement derrière. Après, il y a plusieurs possibilités. C'est que Frankowski il peut aussi revenir au poste qui était le sien auparavant et tu peux recruter un joueur de l'autre côté. On sait que par exemple, l'un des joueurs, on peut être un peu mitigé. Hein, C'est David Machado. On entendait quand même beaucoup plus. Donc il y aura aussi des questions qui se posent. Est-ce que lui s'est contenté de ce temps de jeu qu'il a eu et est-ce que le staff se contente de ce qu'il a apporté Il a été blessé. Euh... Ouais, mais bon, euh, au début de saison, ça n'a pas non plus été. Euh... Par voilà, contre, après... il a fait une grosse fin de saison. Ouais, mais, euh, donc, ça veut dire que tu as deux recrues de la saison dernière qui pourraient finalement être de véritables recrues enfin cette saison, Saïd et Machado. il faut prendre aussi ça en compte. C'est vrai que Machado, on l'attend vraiment cette, euh, cet été, à partir de cet été. Moi, j'ai bien aimé, euh, j'aimerais vous entendre là-dessus. Franck Hez euh, a dit dans la conférence de presse, et je l'ai relevé, on a eu des échanges avec les recrues on a analysé les datas. On voulait être certain des qualités des joueurs, mais également sur leur intégration. Eh oui. euh, donc, quand on, entend ça, quand on entend ça, l'humain, exactement, euh, on le savait, mais on en a encore la preuve. Et vraiment, quelque chose, c'est une marque de fabrique sur lequel le, le, le RC Lens veut marquer son mercato. Il l'a fait déjà jusqu'à présent, il continue de le faire, et les datas vu. deviennent de plus en plus importantes. Alors, c'est vrai que tu parles du RC Lance, mais moi, je te dis plus, c'est dans la mentalité francaise. Euh, pour euh, la vie de groupe, euh, tu vois, avec Flo Ghisolfi j'ai eu la chance d'échanger euh, euh, pas mal avec lui. Et voilà, c'est comment dire, c'est une catégorie dans le recrutement, tu vois, qui est, qui est super important. Euh, la mentalité du mec, tu vois, à l'intégration, la vie du groupe et les choses comme ça, dans le, re dans le recrutement aujourd'hui, c'est super important. mais parfois pas tu recrutes un mec qui va te foutre le bordel dans et voilà. tout le monde. Mais, mais Franck, j'ai envie de dire, OK, c'est bien, ils le font à lance. Mais, mais, mais je pense qu'aujourd'hui, partout où ça gagne, partout c'est le cas. Enfin, si tu n'as pas cet état d'esprit, pourquoi lance-foot fonctionne Parce qu'on ne se tire pas dans les pattes et parce qu'on forme une bonne équipe, parce qu'on qu prend plaisir à parler ballons et, et qu'on peut ne pas être d'accord, mais on est capable de se remettre en question. Bon, on se fait chauffer par des supporters, mais, mais moi, aujourd'hui, aujourd si tu recrutes un joueur de foot juste sur ses capacités, c'est mort, en fait. Il faut que le gars, il s'intègre dans le vestiaire. Si le mec vient juste euh, et il fait le beau sur le terrain, il ne lâche pas le ballon. Imagine, pareil, tu as un gars, euh, d'un seul coup, il est, il, est, il est énervé, il en veut un de ses potes et sur le terrain, il ne lui donne pas le ballon. Mais ça arrive tout le temps, ça, à tous les niveaux, Franck. Je ne sais pas, ça a dû t'arriver dans un vestiaire. Voilà, ça Malheureusement, ça m'est arrivé une seule fois. Mm -hmm. Et c'est quand je suis revenu à Lens en 2010. C'est tout. Un joueur qui avait un joueur, mais il y avait une, ouais. une ambiance for... pas formidable dans, dans le vestiaire, ouais. et donc c'était très pesant quand tu es de tu vois de revenir au club et que tu essayes de, de mettre les choses correctement. Et puis il y, a des, il y a des mecs qui tirent le groupe vers le bas, c'est compliqué. C'est on est était ça, est trois est ça. À essayer de quatre. On était quatre à essayer de hum. à essayer de toi souder le groupe, tout ça parce qu'on avait pas mal de jeunes à l'époque. Hein. Je voulais citer que Aurier, condogbia, aurier, torganazar. Euh, Steven Joseph, euh, Monrose, tout ça il euh, y avait pas mal de jeunes il y avait euh, et on était quatre à essayer de, de, de remettre le groupe qui était bah, je vais les citer parce que voilà j'ai cité les jeunes mais il y avait euh, euh, Aled ouais. Johan Demont moi et Eric Schell parce que tu avais des, tu avais des petits cons dans le vestiaire il y avait des petits cons dans le non, vestiaire justement non les petits cons euh, nous on les cadrait nous Ouais. Mais qui... Non, non, mais c'est vrai. Mais, ah, qui le... mais qui mettait le feu Mais qui le feu alors Qui alors, le feu a... Je vais te le dire. Rougneux, ah. à Calais ah ouais euh... Gemma. Alors Gemma, c'est 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 Issam. C est... C est... C est... on va dire que c'est pas vraiment sa faute. <rire> <rire> oui, oui. Mais... Il est plus bête que méchant. <laughs> c'est ça. C'est mais... exactement ça. C'était de l'interdit <laughs> sans vouloir, c'était de la maladresse, c'était tout ce que tu veux. Mais en fait, ça jetait le feu. Et en fait, tu vois, même si Dick Leita, il était un peu, tu vois, euh, un peu désolé de tout ça, ce qui arrivait. Donc, il a, il a abandonné aussi, tu vois, toutes des choses comme ça. Et donc, c'est compliqué quand tu reviens. Mais voilà, là, là je re, je re... Là, l'équipe que j'ai vue l'année dernière, moi, ça m'a rappelé quand j'ai commencé avec les Siko varmus de Bev. Euh, tous ces mecs-là, tu vois, de, du des club Yo Et en fait, voilà, c'était, on avait un groupe. Écoute, on disait, on n'est pas bon, mais qu'est-ce qu'on se marre. <laughs> Et à la fin, non mais à la fin, quand tu dois te taper pour quelqu'un, tu vois ouais. ce que je veux dire Mais bien ça, sûr, mais exactement. Et ben voilà, on se met le cul par terre tous ensemble. Mais oui, ça change tout. Et ça du change coup, tout. Ça change tout. Moi, j'ai trouvé. ça Cette année, j'ai pris un kiff. Exceptionnel. J'avais entendu parler et je confirme, et donc tu le confirmes, était était 10 000 fois mieux placé que moi. Euh, Rougneux, il paraît que euh, mentalement, euh, il fallait se payer, lui. Hein. Rougneux, il m'a dit Rougneux, tu sais, il m'a dit Franck, ça fait 4 ans, il me casse les couilles. Ça fait 4 <laughs> ans et j'ai peux pu Lancer là, là. Et, et en plus, qui arrive au club La Sloboulonie. Ce n'était pas un cadeau. Je vous <laughs> le ah, dis. Ah, ah, hein et l'autre, il a fait ce qu'il voulait après. Ah, ah. Et Hiroune, ouais, ouais. il avait un tel salaire qu'il est quand même resté hein, dans un club où c'était difficile. Ah ouais, t'inquiète. Tout <laughs> à fait. Mais bon. Allez, ai on avance avec hein, bon. Drona, Pour, pour revenir ça à a... ça, vas-y Rémi, excuse-moi, vas-y. Bon. non, 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 vas-y, 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 vas Norman. On t'a pas encore trop entendu mon poulet. Clôture euh, sur ce sujet, on, on avance. Non, hein, c'était sur l'état d'esprit <laughs> et, et c'est le moment de, de renouveler un peu et, et par par épisode parce que c'est un groupe c'est qu'en fait ce, ce groupe a surperformé depuis deux ans on va pas se mentir individuellement on n'a pas les meilleurs joueurs du championnat en revanche quand tu les mets tous ensemble sur un terrain c'est des guerriers ils sont capables de soulever des montagnes on l'a vu et le fait de bouger comme ça euh, des joueurs qui sont certes des joueurs clés d'un point de vue technique et tactique c'est hyper important et quand Franck dit que ont aussi insisté sur le data mais sur le mental c'est hyper rassurant ça veut dire que encore une fois c'est des premiers choix on les signe avant la reprise du championnat avant la reprise des joueurs les joueurs ont été analysés sous toutes les coutures, donc je pense que euh, c'est une bonne chose. Et je vois le message KU. eu, c'est un super signal qui est envoyé. Il faut voir le boulot qui a été fait dans les vestiaires par KU et le cas. Et KU qui reste sur le banc, c'est un super signal. Et dernier ah. point, c'est la, la saison. On n'a rien d'autre à jouer que le championnat. C'est peut-être la saison où on va pouvoir passer un palier et aller chercher ces fameuses sixième, cinquième place qui nous ont manqué ces deux dernières années. Ah, Bruno qui dit KU va faire le ménage. <laughs> J'adore. Et <laughs> euh, voilà, il y, y a Kev qui dit. Enfin, euh, vous êtes tous, euh, tous tous unanimes pour dire que que KU, euh, ça va être un, un, une vraie bonne chose dans le vestiaire. On enchaîne les amis parce que là on va pas on va pas avancer. Euh, <laughs> je voulais qu'on parle de la situation des rien, gardiens. Par contre... On prend Je voulais qu'on parle tôt. de la situation des gardiens, parce que là aussi, <laughs> là aussi, ça a pas mal bougé. On en a appris là, euh, ce, dans la conf de reprise. Alors, Franck S dit sur la situation des gardiens, il y a une priorité dans le recrutement, c'est le poste de gardien de but. Euh, Vilker a une grosse blessure, donc on cherche un gardien numéro 1. Mm -hmm. On travaille. Euh, il dit, on souhaite vraiment recruter un gardien numéro 1, c'est la priorité. On a réfléchi à tout concernant le poste de gardien. Jean-Louis est un numéro 1 en puissance, mais je veux deux gardiens qui peuvent performer en Ligue 1 tout de suite. Yannick Pandore avance, mais on ne veut pas brûler les étapes. Euh, Rémi, quand tu entends ce discours, est-ce que, selon toi, on est reparti pour faire encore un 50-50, un, un turnover, si euh, Samba, Brice Samba, qui, a, qui est en pole position, arrive avec Jean-Louis non, je, non, 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 je ne pense pas. Je pense que… Les, les choses étaient très claires euh, l'année dernière dans la passation. Et euh, il y a aussi une part de communication, je veux dire, dans, dans, dans cette mmh. conférence de presse, vis-à-vis -vis de Farinez. On rappelle que le fait de chercher un nouveau gardien numéro 1 est venu avant même cette blessure. Donc euh, là, il y a aussi une communication bah, voilà vis-à-vis -vis de la blessure du, du joueur. Et c'est euh, assez logique de ne pas en rajouter. Et puis aussi par rapport à Jean-Ouléka, qui, voilà, qui est un joueur aussi très important dans le vestiaire. Le fait de pouvoir le conserver, c'est important pour le Racing. On avait parlé la semaine dernière de cette question par rapport. Au fait que lui voulait une année de, de prolongation supplémentaire et qu'il y avait d'autres clubs qui étaient intéressés et qui pouvaient peut-être potentiellement lui proposer plus de temps de jeu. Et Brice Samba, s'il vient à Lens, il vient pas pour euh, faire du 50-50 ou quoi que ce soit. Il vient pour jouer, pour être titulaire. Et a priori, on voit euh, que les choses ont l'air de plutôt avancer dans ce sens-là. Son club a, a trouvé un, un remplaçant euh, pour lui et il euh, y a de moins en moins d'obstacles à sa venue en France. Donc. Euh, donc voilà, après, ce qui est, ce qui est bien dans, dans, ce que, dans ce que dit le directeur sportif, c'est que pour une saison justement au très haut niveau, tu as besoin de tr deux très bons gardiens parce que tu ne sais pas de quoi est fait ta saison. Bah, tu vois, Whitker euh, et, et tu perds la moitié de la saison, bah, tu peux avoir la même chose avec l'un des, des deux autres gardiens. Donc euh, c'est bien d'avoir un, un, un numéro 2 qui peut être comme une sorte de numéro 1 bis et ce serait super pour le Racing d'avoir deux gardiens de ce niveau-là. Sylvain Charlet. Et en, en termes de com vis-à-vis -vis de l'ECA ils ne font pas d'erreur. Parce que si ouais. tu dis on va chercher un numéro un, donc en conséquence, tu ne dis pas, euh, enfin tu, tu sous-entends que l'ECA va devenir numéro 2 euh, bah, Si tu manques ton numéro 1 qu'est-ce que tu dis à l'ECA après dis, ah, on, Là, on voulait prendre un mec, bah, finalement, on ne l'a pas eu, euh, tu bah, iras dans le but. Donc, tu deviens numéro un par défaut. Là, en termes de com, bah, tu continues de dire on veut de numéro un, tu dis à l'ECA bah voilà, tu joueras sûrement, mais quand son bas va arriver, comme tu le disais, il sera le numéro un. Alors euh, je recherche un je recherche, je recherche un message pour clôturer le, le débat farinèse, il est ouais. exceptionnel, vous allez voir, c'est Ludovic qui nous envoie ça, regardez bien et lisez en écrivant, euh, enfin, euh, lisez ce qu'il y a vraiment décrit. Wilker farinaise est au Brégil, il danse la samba. Ah, petit clin d'œil à Brice Samba, à, à, à Franck Haze. Euh, bon, voilà. Les mecs qui sont perchés, je peux vous dire, ils sont bons. Ah, il bon. J'adore, j'adore. Euh... Bah, lui, il est au direct d'Amsterdam. <laughs> on termine, euh, on termine les amis avec. Euh, J'aimerais qu'on qu qu parle euh, très rapidement. Euh, J'avais quelque chose sur Simon banza euh, Simon Banza Là, on en parle beaucoup. C'est euh, Florent Ghisolfi qui, euh, dans la conf de presse, a dit Rien n'est fermé concernant Simon. Euh, il est très sollicité, donc ça on le savait. Euh, ah. Nous sommes à l'écoute. Il est actuellement avec nous. Il a fait une grosse saison. On connaît son, son potentiel. Bon, euh, c'est pas un message non plus méga rassurant ah, pour non. Simon. Euh, Norman. Euh, non. Euh, Simon, euh, il ne portera plus le maillot du, euh, du Racing. Hein. Non, non, non. Et comme on l'avait déjà évoqué, je pense qu'il souhaite, lui, euh, bonifier la saison qu'il vient de faire au Portugal, où il a été titulaire. Il a cartonné. Euh, il est demandé du côté du Portugal, a priori, par des clubs euh, quand même assez, assez costauds. Top 5. Il, il faut qu'il faut qu il parte. Il faut qu'il parte parce qu'il n'aura pas la possibilité, je pense, à Lens, de jouer titulaire. Et encore une fois, je l'avais dit, à la place de qui, surtout euh, Je ne vois pas aujourd'hui euh, des déboulonner un hein, Sotoka. Euh, un, un Saïd euh, ou, ou qui que ce soit devant. Donc il faut, il faut qu'il parte, je pense que ce serait bien pour lui, euh, si on peut euh, en tirer, et ce serait bien pour le club également, euh, si on peut en tirer, euh, je crois qu'on parlait de, autour de 5, 5. millions, hein. donc euh, c'est n'est pas non plus une, forme, une somme folle qui, euh, qui devrait bloquer euh, un, un éventuel transfert. Un ah bon, euh, attaquant euh, qui a mis 14 buts en première ligue euh, portugaise, portugais, ouais. 5 millions, c'est pas beaucoup. Mm. Ah, tu penses il que, que ça qu pourrait en être contrat, plus crois, hein. ouais. Non. Et franchement, c'est parce que voilà les clubs portugais, forcément, euh, ça dépend. Euh, je crois que c'est pas. Euh, euh, je sais plus quel club est intéressant. Sporting. Sporting, en fait, n'a pas tant de fonds que ça. Non. En fait. Mmh. Et euh, il mettrait 5 millions, mais je ne sais pas s'il pourrait mettre plus. Mais mmh. pour un joueur mmh. qui a fait ça en tu vois, une saison, alors que c'est sa première saison, il découvrait le championnat portugais, 14 buts, c'est. Il a. Alors... Il a la cote en Italie. Hein. Vous pouvez le lire sur euh, lance Là, euh, La Talanta Bargam se renseignerait. Ah oui ou Simon Banza. Ouais. Ah, ouais. mais... C'est euh, peut être en tiré alors. Hein. Euh, apparemment, <laughs> aurait pris quelques, quelques ouais. renseignements. Oh. Non, mais c'est vrai que devant, il devant, y a énormément de monde. Là. Euh, Norman en parlait tout à l'heure. Donc Buxa, Saïd, je regarde Banza, Jean, Ganago, Sotoka. Je dis n'importe euh... quoi. C'est Kalimundo avec ça la Talanta. Je dis n'importe quoi. C'est pas non, Simon Banza. Ça, ça, ouais. ça va bouger encore. Ça va bouger. Il y a des questions <laughs> qui pas se posent. Bien sûr. On parle pas, on parle toujours pas de Cali euh, nulle part pour l'instant. Bah, euh, si, euh, je viens de te le dire l'instant à Talanta. Ouais, lui. non, mais bon, il y a rien de fait. Non, y a rien de y fait. Toi, tu fais partie. Est-ce est que tu fais partie des, des, des mecs qui pensent comme Norman que ce que, que Cali Mwendo va, va reporter le maillot sans erreur J'espère. Dans le cadre ah, du transfert de Pogba. Je te demande pas si t'espères, je te demande si je te demande si tu y crois aussi toi. Tu signes Doucouré là. Tu signes courir, tu laisses partir chèque, tu fais tu 50 millions de trésors. 50 millions. Avec quasiment tous tes postes euh, pourvus. Couverts déjà. Donc, en mets, bah, Moi, euh, je en mets un billet sur Cali. Tu en mets 20 sur Cali 20 sur Cali, euh, ce n'est pas euh, choquant. Euh, Ensuite, il te reste 30 millions. Il a quel âge, Cali 20, piges. Ouais. Bah, non, mais, mais 20 ah, millions, bah il oui. 20 ah, oui. millions, c'est un super ça, investissement. Que, en, plus, et, en plus, il se sent bien ici. Il est en terrain euh, conquis, j'ai envie de te dire, parce qu'il fait le taf. Donc euh, ici, il sera accueilli euh, comme, un... comme un dieu. Comme un dieu, c'est vrai. C est, c est... Donc, euh, pour moi, si c'est qu'au part, ça devait être la... une priorité. Et après, moi, je dis ça comme ça. Mais je pense qu'ils ont, ils ont... Ils, ils y réfléchissent déjà en... Mmh, les alors, Toi, tu as parlé bien. avec Florent gisolfi Non, pas encore. <laughs> euh, vous savez quoi, que a... j'ai pas, pas mal de, de messages. En Mais c'est me disant... ce que je fais. En disant, Cyril, est-ce que tu peux voir avec Guillaume Gillet si euh, Ganago va Puisque vous savez que, que Guillaume Gillet euh, prend, Et dans le staff euh, est dans le staff de Anderlecht. Et bah, vous savez, quoi on, on va l'appeler en direct. <laughs> Absolument pas prévu. Hein. On y va. Attends, bon, ah, je je sais Le numéro demandé n'est pas attribué. Ah, bah ah. Même, ah ouais, t'as filé un faux Bonjour. C'est un attends, numéro attends. sûr qu'il est en Belgique. Ah, mais, ah mais, on voulait je... vous annoncer, on a transféré... Euh, attends, Gilles, attends. Il n'est plus membre de l'ancien Foot <laughs> Attends, je me suis planté, je me suis planté, Attends, je attends, attends, attends. Attends, tu m'as pris pour un jambon, quoi. Ouais, s'il te plaît. Allez, on appelle Guigui ah, il est absolument pas au courant, je, je vous assure. Je sais pas s'il si va décrocher. Salons, il, est en... il est encore aux États-Unis, non <laughs> Ah, il est en vacances là Non, ah, ça sonne train... Belge. Un concours de poker, un tournoi de poker à Vegas. Ah, d'accord. Ah, oui, ça va. Ah, ah. J'ai un pote qui est aussi là. Et apparemment, il était en finale de je sais pas quoi là, j'ai vu sur, sur, sur Insta. Ah, Guigui, il va pas décrocher. Ah, s'il si bon. est en table finale, il va pas décrocher. Ah, et priorité à l'ance foot on en a rien à carrer du, du poker t'as raison il y a 800 000 à gagner bon allez c'est pas grave je l'appelle moi aussi je décroche pas gros j'ai 800 000 je te décroche pas je te, pas. Je te le dis tout de suite bon allez merci oh là là hey, vous savez quoi euh, je viens de recevoir un, un message concernant l'audience là. Qu ah, truc qui est, qui, est, qui est automatique eh ben, on a battu le record ce soir Ouh ah oui, c'est bon ça. Ah ouais. J'ai ah ouais. pas, fait... pas le chiffre exact, mais je reçois, une petite, euh, on reçois un petit message. <laughs> <ce bouteille>, euh... <laughs> ah, J'ai mon verre de rosé, moi. J'ai mon verre de rosé. À la bonne voilà, hein. ouais, on Donc, applaudissement On peut applaudir. Voilà, bravo. Et Quel Merci. beau concept. Hein. Et en plus, hey, on a quand même rien à dire à la base. Hein. <laughs> Il faut quand même bon, le rappeler aux gens. Hein. Il faut un quand un même leur merci. dire la vérité. Hein. Un grand merci euh, non, de votre vrai fidélité. C'est pas mal. <rire> <rire> ah, mais je te promets, hein, record d'audience ce soir là, en live. On n'a jamais ah, fait un beau, live avec autant, de, avec autant de supporters sur Facebook ça. et sur YouTube. Merci eh à ben on remercie tout le monde. C'est vraiment fait... gentil de nous suivre. Abonnez-vous, fait... likez, tout ce qu'il faut. On Question d'état d'esprit. Voilà, plein de belles choses. On prend du plaisir à vous donner du plaisir. Et ah puis si tu veux, tu qu'à me couper la parole à chaque fois que je parle. Ouais. Ah, attends, et, et, connais, euh... que c'était prévu. Et... Il va inaugurer, il va inaugurer. Exactement, c'est ah, ce que oh, j'allais je... dire. Eh ben Allez, voilà. sors-le, sors-le. Eh ben, voici le nouveau bruit du carton rouge et tu l'inaugures. Salut Franck. Voilà, à dégager. Allez, on vous embrasse. Passez une belle soirée les amis. Euh, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau Flash Mercato. Bis mon Norman, bis Rémi. Bis Sylvain et surtout bis à vous tous, Salut. supporters et supportrices. Et merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. Allez, ciao. 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 Bonne soirée.